au-delà de la victoire, il y a eu surtout en première mi-temps de belles phases de jeu de la part de mon équipe, mais aussi dans la récupération du ballon. On a été très présents, on a montré qu'on pouvait aussi être efficace à ce niveau-là. Alors, en deuxième mi-temps, le rythme était peut-être un petit peu moins élevé, mais on a quand même marqué encore une fois sur une belle action de jeu. Donc voilà, c'est plutôt positif. Ce qui est positif à retenir, c'est surtout la qualification. Il faut aller dans la durée, à la fois dans cette compétition. On n'a rien gagné, on a gagné le droit d'aller plus loin, mais on n'a rien gagné. Donc ça, c'est important. Et puis dans les autres compétitions, dans le championnat, on part de très loin, je l'ai dit, ça n'a pas changé. Donc il faut continuer à bien travailler, à rester très concentré. De jouer à Gerland, c'est bien, parce qu'on a quand même quelques repères ici. Voilà, ce sera un match à gagner. Vous savez, la Coupe, il n'y a rien de facile. On l'a vu encore hier dans une autre Coupe nationale. Donc voilà, on va essayer de franchir cette nouvelle étape en espérant pouvoir retourner au Stade de France comme il y a 2 ans. Mais bon, ce sera, le calendrier est chargé, il faudra bien récupérer, se garder d'annoncer le résultat des matchs avant de les jouer. Lyon nous a été supérieur, ils ont gagné. Voilà, il n'y a pas d'autre explication à donner. La plus rationnelle, c'est celle-là. En tout cas, sur la première période. Après, ça s'est rééquilibré en deuxième période. Mais sur le contenu du match, je pense que Lyon a mérité sa qualification. Il a manqué déjà un peu plus d'agressivité. À mon avis, on a rectifié les choses en seconde période. Mais sur la première période, on a été un peu, comme le dit monsieur, un peu trop timide.